Imaginez une gamine qui, dans la cour du collège, distribue à ses amis de classe ses premières histoires qu'elle a pris soin de dupliquer sur l'imprimante familiale. Virginie Bégodeau avait déjà l'envie d'être lue. Et pourtant, après des études de lettres, dans l'espoir de travailler dans le monde de l'édition, la vie de la jeune femme prend une autre tournure. Elle part à l'étranger et s'essaie à d'autres métiers, tout en continuant à écrire. De retour en France, elle publie « Le Danome », un roman troublant sur la folie au début du XXe siècle. Dès lors, Virginie Bégodeau se fait connaître et est sollicitée par la Musardine, spécialisée dans l'érotisme. Elle publie ainsi « June » en 2017, la cavale passionnelle et sulfureuse de deux femmes dans l'Amérique des années 1970. Aujourd'hui, devenue elle-même éditrice, Virginie Bégodeau s'ingénie à mettre en musique les textes des autres, tout en laissant parler sa propre imagination. Changeant de registre, voici donc cette année son nouveau roman aux éditions Anne Carrière, La Veuve apprivoisée. Colin et Daphné formaient un couple fusionnel, mais après quelques mois de mariage, Colin meurt d'un cancer foudroyant, il avait à peine 30 ans. Il laisse son épouse Daphné seule et désemparée. Les parents du jeune homme, Mathilde et François, avec amour, bienveillance et affection, accueillent chez eux leur belle-fille dans leur superbe maison. Grâce à eux, Daphné, issue d'un milieu modeste, n'a aucun souci matériel à se faire, et ils la considèrent désormais comme leur propre fille. Naît alors dans la tête de Mathilde une idée un peu folle, poursuivre le projet de grossesse qu'avait le jeune couple grâce à la procréation assistée, et ce, quitte à transgresser la loi en allant à l'étranger. Comment Daphné, très attachée à sa belle-mère, va-t-elle réagir à cette proposition ? Abordant ainsi les thèmes du deuil, de la famille et de la fécondation in vitro, Virginie Bégodeau crée une histoire d'obsession virante à la folie. Un huis clos feutré et oppressant entre amour et emprise. Les personnages sont habilement construits, les décors saisissants, les ambiances pertinentes. Peu à peu, la toile se tisse et le lecteur de suivre avec intérêt et inquiétude le récit de Daphné qui se raconte à la première personne. Un roman très réussi que je vous recommande vivement, ça s'appelle « La veuve apprivoisée », le nouveau roman de Virginie Bégodeau est publié aux éditions Anne Carrière.